Bonjour, nous allons voir comment faire déplacer notre robot de manière droite ou de faire un virage. Pour ceci, j'ouvre donc un projet. Il vient ici un document de travail, c'est toujours très utile ici si je veux commencer à éditer simplement mon projet. Par exemple, je peux faire ici et dire voilà, je fais avancer. On peut documenter le projet qu'on est en train de faire, ce qui est des fois très utile parce que toute la documentation est avec. Les outils sont là en bas, je prends les outils verts qui sont des outils d'action et j'ai différents moteurs, gros moteur tout seul ou déplacement et direction ou si j'ai un char d'assaut, je le fais comme ceci, c'est des fonctions un petit peu spécifiques. Alors je prends déplacement et direction, je prends le bloc, je clique et je tiens cliqué et je le place simplement à la suite ici. Je remarque que, n'est-ce pas, la zone devient grise, je le lâche et ça va tout seul. Pour ceci, j'ai donc ici différentes possibilités de programmation, soit de le faire en degrés, soit de le faire en nombre de secondes, soit de le faire en rotation. Il est préférable toujours de faire en degrés parce que j'ai une précision beaucoup plus grande. En effet, ici j'ai 360 degrés, donc 360 paramètres pour faire à gérer un tour de roue, tandis qu'ici les rotations c'est que jusqu'à tant de roues et puis après je peux que subdiviser en virgule, en dixième, donc j'ai que 10 paramètres pour faire un tour de roue, tandis qu'ici j'en ai 360, j'ai 36 fois plus. Ici je vais donc choisir la direction, donc c'est tout droit pour l'instant. Ici c'est la vitesse, le potentiel, je peux mettre à 100% ou mettre plus bas et je peux toujours éditer dans le chiffre ici. Ce qui est toujours assez pratique et beaucoup plus pratique que l'ancien. Et ici, je peux choisir si le moteur doit s'arrêter à la fin ou s'il doit continuer sur la lancée. Alors je dis par exemple de s'arrêter et il fait un tour de roue. Je n'oublie pas bien entendu de brancher mon NXT à l'ordinateur par le câble où j'ai différentes informations. Je peux voir les différents capteurs que je peux employer pour l'instant et j'ai ici donc mon programme que je vais simplement envoyer le programme sur mon NXT pour qu'il fonctionne. Je peux très bien aussi télécharger et exécuter. Personnellement, je préconise toujours ça, parce que comme ça, je suis sûr que c'est toujours le bon programme qui est mis dedans et qui est en train de rouler. Ou alors, je peux choisir une sélection. On verra cela plus tard.